canal carpien. De quoi s'agit-il alors? C'est qui s'allier de nous parler de syndrome du canal carpien. Heureusement, nous avons un docteur nous avec nous qui pourrait parler nous de qui s'allier, qui manifestation, comment nous comprendre et qui ça nous fait dans ce sens. Chers amis, auditeurs, téléspectateurs ou même amis nous qui regardent nous de près ou bien de loin, c'est un plaisir pour nous capables avec vous dans cette série ça encore dans le domaine de la santé côté que nous toujours gagner des conseils pour nous ba nous et que nous là nous contents et nous saluer qui côté où nous t'aimer connaître de manière à ce que nous capables voyer une salutation singulière pour vous. Encore l'équipe le docteur nous conseille là et mettez-vous en condition pour capable conseil dans cette série ça que nous gagner que nous déjà averti nous de qui ça nous va parler syndrome du canal carpien. Et bien, on va quitter me saluer docteur ya, lui même qui va le gagner encore pour lui capable présenter au sujet ça. Bonsoir docteur Falaise. Bonsoir Carmel, c'est un plaisir encore une fois pour ensemble avec les amis nous pour nous entrer la caillou, pour chiter la caillou pour avoir des conseils sur la santé. D'accord docteur Falaise. Jean-Luc Awel, docteur est content, c'est toujours un plaisir pour lui chaque fois occasion présenter pour lui partager avec nos connaissances que le gagner dans le domaine de la santé. Et nous-mêmes, nous prenons un pile plaisir autour pour nous capables de nous calmer parce que sans santé, il y a un pile de choses qui n'est pas possible. Docteur, tu es préparé pour nous dans cette série, une sorte de vidéo qui va nous donner une idée de ça que nous avons parlé. Et pas besoin de peur, docteur lui-même, ou va nous donner une démonstration qui va nous parler encore plus de ce sujet. Regardez la vidéo. Dis bonjour, bonsoir. À Fidel Branché Noyo. C'est toujours un plaisir pour qu'aborder la caillou avec l'émission ça. Le docteur nous conseille. Lorsque vous voyez que vous gagnez au niveau de pouceau, le pouce, l'index, le majeur et en partie de annulaire là, disons en pomme main, ça que nous les poignets, là, ou lorsque vous gagnez des engourdissements ou encore ce que nous appelons des fourmillements ou encore des picotements ou senti au niveau des pommes et que la légiste dans le doigt. Et parfois, vous avez des douleurs, des fortes douleurs au niveau du poignet. La nouvelle partie, ça, la forme en pile. Et au fur et à mesure, la douleur est éradiée. Ça veut dire que la douleur marche et parler dans le doigt. Parfois c'est dans le pouce là, parfois c'est dans l'index là, parfois c'est dans l'annulaire là, et parfois c'est en partie dans l'auriculaire là. C'est tellement important. Et même là, ça dit même, nous avons gagné, et parfois, les banons ont déficit au niveau de ce qu'on un objet par exemple avec main. Un objet surtout, un objet qui petit, qui pas trop gros. Lorsqu'on a fermé la douleur, il y a des problèmes. Ou parfois, directement, lorsqu'on a pris une clé pour ouvrir la porte, pour entrer la caille, la clé a tombé dans la main. Et dans la partie ça, nous avons perdu ce qui nous a donné la sensibilité. On va sentir rien du tout là-dedans. Donc, on va aller mourir. Et bien sûr, lorsqu'on a ces symptômes et ces signes, il s'agit bien sûr du syndrome du canal carpien. C'est comme ça, nous allons parler avec vous aujourd'hui, nous allons développer pour vous. Bien sûr, nous allons faire un bon voyage. Nous avons pile de monde qui a souffert de maladie ça. Eh bien, nous allons prendre un temps pour parler en long et en large du syndrome du canal carpien. Restez branchés. À tout à l'heure. Voilà, Zaminio, dans cette démonstration que nous sommes dans la vidéo, hein, nous avons docteur qui t'a expliqué nous de canal carpien, hein, particulièrement qui côté nous énervé. Nous croyons que c'est une série de gros mots, gros vocabulaire, mais il est bon pour nous gagner un docteur ou après en personne encore qui après expliquer nous qui ça y est. Docteur Falaise, franchement, je me poser une question ça pour me demander qui ça nerf carpien, qui ça lié même, nous parler de nerf carpien. Détaillez pour nous, mettez-le en clair pour que nous soyons capables vraiment comprendre et nous-mêmes pour nous capables agir de la façon que nous devons agir par rapport à la maladie. Ça. Très bien, Carmel. Tout d'abord, on va essayer de définir, vous savez, nous, qui ça un syndrome. Un syndrome,
lorsque vous avez un groupe signe, un groupe de symptômes, mettez ensemble de un syndrome. Vous voyez ça, syndrome du canal carpien. Ça veut dire, tout d'abord, c'est le canal carpien, et bien son passage des nerfs, tendons, ligaments, qui sont dans l'avant-bras, qui allaient dans le poignet, dans la mer. D'accord? Donc, son passage que lié. Quand on écrit les nerfs médians, encore, un nerf médiano en espagnol, nerf ça dit même, il passe là, il sort non gros nerf ULE, plexo brachial, qui sort dans le bras lui-même, il sort bien sûr tout d'abord au niveau cervical, d'accord? C'est un nerf quand même qui est joué, c'est un nerf tout d'abord qui est mixte, vous savez? On est mix, on est qui est moteur et qui à la fois sensitif. Nerf lui-même, il parle pas nous, il parle dans poignet, il passe là, c'est la canal carpien, on voit déjà l'image là. Et puis il parle dans la main là. Il parle prendre lorsqu'on prend le pouce, l'index, le majeur et on partit de l'annulaire. D'accord? Nerf lui-même c'est lien c'est son région qui couvre l'innervé qui fait qu'on capte un certain mouvement avec la main avec doigt ça par exemple. Maintenant, comme je dis déjà, on est qui mixe. Lorsque, et qui, généralement, on monde qui souffre de notre maladie, qui nous des syndromes du canal carpien, on a libéré mouvement et pouce là. On n'a pas libéré un ok, ça veut dire en anglais. On a des hommes, on n'a pas libéré un pouce là, et pour ça, même, on n'a pas assez de force. Donc, ok, ça c'est fonction motrice là. On gagne aussi, on gagne, et l'index ça n'est parfois. Je ne vais pas jouer lui. OK? Donc, je ne vais pas jouer lui. Je ne vais pas jouer lui. Maintenant, je ne vais pas perdre de sensibilité. Il y a des douleurs atroces. En ce moment, je ne sais pas ce qui nous aide en anglais médical, en fourmillement. Je sens que je ne vais pas marcher dans la main. OK? Ensuite, je vais engourdir. Je vais raide, par exemple. Je ne vais pas faire mouvement à la main. Et généralement, en plus, mon docteur, pour moi, je ne suis pas capable d'ouvrir le podcast, par exemple. Il a tombé dans le même. Les maladies après aussi de phases dans le patient perd de sensibilité, il perd de force dans le même, il n'est pas même capable d'ouvrir le podcast. OK? Maintenant, les salons, bien sûr, c'est la maladie qui est très avancée dans le monde. Et mon docteur, je suis en plus de douleur, par exemple. Il y a des gens qui disent que les filles qui ont fait manger, chose à tomber dans le même. Ils ont perdu l'objet, ils ont tombé dans le même. Ça, c'est un signe qui est extrêmement important. Comme je dis, ça a été découvert. Sinon, c'est une série de serveurs et dans des secs avant. Moi, je ne suis pas servi, je vais tomber dans le même. Parce qu'ils ont aussi de grands dignitaires, les grands rois, les présidents. Je dois faire attention à la tombée dans la main. Pour ça, je ne vais pas faire du force. Et je vais découvrir, avec la médecine qui me développait, je vais me cause maladie. Il y a un cas qui a parlé de ça en ayant l'âge. Ça, c'est un truc assez intéressant. Par exemple, maladie, quand même, nous avons près de 30. Alors, sous chaque 10 millions, il y a 400 personnes qui ont maladie. Ça. En fait, disons, sur maladie aux États-Unis, par exemple, ou il n'y a pas 30 à 35 millions qui opèrent chaque année de maladie ça. Nous faisons pile chirurgie dans plein de ça, ses amis. Nous avons pile, moi par exemple, dans la famille, il y a 7 monde qui opèrent de ça. Voilà, mes amis, ça veut dire son bagage que nous devons informer nous en pile de lit. Et c'est dans même optique que nous avons des docteurs, comme vous déjà avez un aperçu sous lit. Est-ce que son bagage qui arrive soudainement? Qui ça qui mène au monde pour les capables vivre souffrir de maladie ça parce que nous connaissons nous besoin de nous monde qui a écrit monde qui a travaillé sur computer ou a tapé ou a fait manger etc n'importe ça que nous avons nous besoin mais pour nous fonctionner donc qui côté bagage ça sorti côté le sorti pour les tomber sur le corps on peut question quand même et nous après temps pour élaborer avec patients nos amis nous et pour la maladie ça tout d'abord et où est le tout on m'a dit professionnel. Il y a quelqu'un qui gagne, c'est la profession, par exemple, les gens qui tapent, tout un ordinateur. Le problème, c'est parce que le nerf salien, qui est un nerf médian, il y a un pincement qui empêche le nerf même la jouer rouler dans la main. Donc, il y a un pincement quand même. Comment il y a un pincement? Il y a un pincement qui est un tiseau, ou encore son ligament qui vient affecter. Nous allons expliquer ça en long et en large la semaine prochaine, si tu veux.
pour ça que mon qui m'a dit ça c'est que c'est maladie mon gain tout nous n'a pas avec le professeur nous qui cause que mon gain problème ça mais quand même la question que vous faites est-ce qu'on va arrêter brusquement lentement non son maladie qui est progressive on va gagner brusquement non la prend mais il y a mon n'a pas gagner tout brusquement mon senti mais il y a problème là mon senti la petite sévité mais maladie a prend temps mais mon n'a pas rien mon n'a pas normal pourtant maladie a rien pas la travail. Et maintenant, tu dis, waouh! Pour maintenant, well, ok, et maintenant, pour avoir le créateur Benjamin. Ou bien on fait casser, ping! Ou bien on choisit un autre, on dit, waouh, ça vient là. Là, quand le docteur fait examen pour lui, il y a aussi le syndrome du canal carpien qui est très fréquent, qui est très répandu, et en plus de fois, c'est chirurgie qui le fait pour nous, pour avoir un soulagement. Mais quand même, il y a un peu de temps pour parler de nous, c'est ça, parce que son intérêt est intéressant, nous avons plein de monde qui a souffert de ça. Moi, des patients qui m'ont dit même, docteur Kilo, on parle de problème ça, problème qui m'ont dit en d'accord? Donc, on a bien temps pour élaborer pour yo, on fait plusieurs émissions sur ça, pour lorsqu'on finit le programme qui est en main, on sort de manuel complet sur ma distraction de syndrome du canal carpien. Waouh, waouh! Je pense que c'est une émission, nous tous nous contents de lui-même, moi même en pile. Et c'est comme si je m'arrête, je m'attends toujours parce que j'ai en pile d'informations que nous allons joindre puis devant dans l'autre émission qui vient pour venir. Ou même qui besoin de qui besoin toujours que vous fonctionnez bien, eh bien, on pourra le découvrir en pile de bagailles qui pourra l'aider. Si tu as des bagailles qui commencent à paraître, pour qu'on ait des gens pour gagner un problème, pour ne pas faire trop de dégâts sur vous, pour qu'on continue avec l'occupation. Donc, c'était un plaisir pour que nous soyons capables ensemble avec vous dans la série. Dans la vidéo ça si vous content travail que docteur en li a fait côté la partager connaissance que li gagne avec nous et bien on console bagaille pour faire pour nous ou même leur fin garder ou remel partager avec l'autre monde sous podco inscrit fais ça sous podco cliquer sur petite cloche notification pour qu'à toujours une vidéo fais ça en sorte que chaque fois nous la gagne une vidéo ou capable wè li ou capable premier monde qui pour elle et ensuite pour capable partager notre groupe que vous gagnez sur Facebook sur WhatsApp Instagram n'importe l'autre réseau que vous souli comme ça conseil ça yo y'a capable arriver joindre le plus de monde que possible. Merci encore une fois parce que vous avez écouté nous. Rendez-vous, c'est pour l'autre. Partagez. Docteur Falaise, merci. Et pour vous dire, c'est avec vous, l'équipe, le docteur, le conseil. Au revoir.